Coucou, c'est Loka. On est le 18 janvier 2023 et je fais un essai de vidéo avec mon micro. Voilà, comme les présentatrices télé. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Non, on commence pas. Bon, aujourd'hui, ça va être. C'est pas une émission, ça va être une mission. Parce que si vous voulez, j'ai reçu mes rangements. J'avais commandé sur Amazon. Et du coup, j'avais commencé à faire un semblant de rangement. Mais en fait, j'ai tellement de bordel. En même temps, je suis une fille. Je me dis, bah, on va les embarquer avec nous. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, il y a encore du bordel là. Il y a encore du bordel ici. Voilà tout le bordel. Donc j'ai fait un petit rangement, voilà, très sympa. Voyez, voilà pour l'étage du premier et le second. Je sais pas si on verra très très bien. Moi, je suis pas comme ces vlogueuses professionnelles. J'ai pas d'éclairage ou de trucs comme ça. Parce que, ma petite lampe de salle de bain me suffit. Bref. Alors, on va continuer du coup le rangement. Alors, attendez, parce que du coup, j'aimerais bien vous poser. Et là, vous allez me tuer. Parce que le cadrage va être moche. Non, ça va à peu près. Bon, on est par terre, hein. Ah, ça caille, je crois. Non, Loka, justement, ouvre le tiroir. Voilà, donc j'ai rangé à peu près ce que je pouvais ranger. Sachant qu'il y a des trucs que je vais donner, il y a des trucs que je vais pas jeter, mais je vais m'en servir pour autre chose. Notamment cette boîte. Voilà, ça c'est des trucs pour les pieds en fait, parce que j'ai des chaussures, elles me font mal aux pieds. Donc on va y mettre dans la catégorie soins, urgence, vous savez, quand vous êtes blessé, etc. Vous avez besoin de compresses ou de trucs comme ça, bah demandez-moi parce que j'ai la panoplie qu'il faut. Alors, niveau make-up, j'ai tout ce qu'il faut, mais le problème c'est que je ne peux plus me maquiller parce que j'ai mon œil qui est à moitié pété. Donc du coup, pour l'instant, c'est mort. Et puis en même temps, en même temps, j'ai envie de dire, voilà, j'ai tout ce qu'il faut là, mais voilà. Pas très make-up et tout ça. Là, j'ai une boîte à bijoux que j'ai fait en DP. Enfin, en DP. J'ai pas fait en DP, mais vous voyez, j'ai fait la petite chouette. Bon, là-bas, c'était pour ma grand-mère, mais je sais pas quand c'est que je vais l'avoir. Je vais le mettre de côté parce que je tiens à lui offrir. Ma grand-mère paternelle. Je tiens à préciser. Du coup, je vous mettrai aussi, du coup, Loka s'amuse avec son cheveu, mais arrête, ça va pas, oui. Je vous mettrai le lien de la chaîne de ma tante. Oui, c'est ma tante. Voilà, parce qu'elle a fait beaucoup de vidéos. Elle a fait du scrap, elle a fait de la peinture, elle a fait du. Non, pas de la peinture. Oh, je sais plus. Enfin, elle a fait des hauts, des trucs comme ça. C'est sympa. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin, en barre d'infos, en description. C'est la chaîne, c'est. Miss Scrap. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon là, en ce moment, elle n'en fait plus. Je suis triste. Refais des vidéos, s'il te plaît. Retourne commander plein de trucs. En plus, elle a donné des super idées. C'est ça le truc. Elle est super créative. Moi, niveau créativité, je suis au fin fond de l'enfer.
Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été très créative, sauf pour tout ce qui est collier, paire, tout comme ça. Et ça, j'ai refait. J'ai fait aussi la boîte à bijoux. C'est une boîte à bijoux, il y a une libellule dessus. Et dedans, on a. Celui-là, je le donnerai peut-être à une copine parce que. Ou alors, je vais voir, peut-être le passer à. Je le mettrai peut-être dans le. Ah, mais il y a des. Oh, il manque des perles. Oh, ça craint. Il manque des perles. Il en manque 4. Non, il en manque 3. Je sais plus. Enfin bref. Il en manque de quelques-unes, mais bon, ça se voit pas trop trop non plus. Hein, mais... L'autre, elle est juste déplacée la perle. Voilà. Donc, le petit miroir. Ça fait longtemps que je l'ai, c'est quand j'ai commencé le DP. Coucou. Donc oui, ça fait un moment que je l'ai. Celui-là. Mais ouais, cette boîte-là, je vais la garder parce que je vais mettre. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? C'est quoi ça? Ah, c'est mes gourmettes et une photo de ma meilleure amie. Super, Lolo, super. Donc ça, je garde. Ça, c'est mes poches. Quand j'ai la migraine, j'en mets avec des petites billes dedans. Je mets au frigo et je mets sur ma tronche. Enfin, sur ma tronche, sur mon front. Ça, j'avais acheté ça. C'est pratique. C'est pour mettre, vous savez, les brosses à dents. J'ai des brosses à dents là, mais j'ai ressorti ma brosse à dents électrique. Et voilà. Là, j'ai le truc, vous savez, là, le. Vous le montrer parce que je crois que je vous l'avais jamais, je vous l'ai jamais montré en fait, je crois. Je m'en sers aussi quand quand j'ai une migraine et que j'ai besoin de me masser le front. C'est Automonès. Les yeux, le vers le nez, le cou, le menton, tout ça, j'aime bien ce truc. Ensuite, la boîte interdite. Alors pourquoi je l'appelle la boîte interdite? C'est une boîte qui m'avait été faite, qui a été faite par la grand-mère de mes cousines. Donc, comment dire? La maman, en fait, la maman de ma tante, donc la maman de la femme à mon oncle. Bon, les deux ne sont plus là, malheureusement. Et donc, elle m'avait fait cette boîte que j'ai eue pour mes 18 ans. 18 ou 20? 18, 18 ans. Voilà, donc c'est bon, c'est une boîte en cœur, et puis après bah, elle l'a peinte et tout, elle a mis des petits trucs et tout ça. Et en fait, je l'ai toujours gardée cette boîte. Et j'ai eu la bonne idée de mettre les affaires, enfin les affaires, les bijoux du passé que je ne veux pas revoir. Voilà. Mais je garde la boîte parce qu'elle est jolie et ça tourne dans le tiroir, tout va bien. Non mais tu sors de là! Dis donc, madame. Oui, c'est à toi que je parle. Oui. Tu peux sortir, s'il te plaît. Non, elle a pas envie. Voilà. Là, j'ai une autre boîte qui m'avait été ramenée de la Réunion. Voilà. Oui, j'ai de la famille aux quatre coins du monde, mais tout va bien. Ça, c'est le truc que j'avais pris. Et tout, donc j'ai plein de petits soins. Et j'avais fait un petit je sais pas comment appeler ça. J'avais fait du. En fait, ça se verra pas, la couleur ne se verra pas, mais c'est une jolie couleur, moi j'aime bien.
Bah ça c'est pareil, je pense que du coup je vais m'en séparer. Enfin, je vais m'en séparer, non. Je vais innover. Et je le donnerai à. Il y a même un petit cœur dedans. Je le donnerai à quelqu'un que j'aime. C'est des fioles en fait que j'avais acheté exprès pour la résine. Et comme je l'ai entre guillemets. Bah là j'en ai pas refait de la résine. Je vais faire un autre truc. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Enfin, c'est une surprise. Bah non, je peux vous en parler. En fait, c'est un challenge qui m'a été donné par ma copine Cici. Oui, parce qu'on a une petite copine. Petite copine. C'est un nouveau mot. Copine. Voilà, donc. Ça fait 8 ans qu'on se supporte, ça fait 8 ans qu'on s'aime. Tout va bien. Et donc, elle m'a envoyé un colis que j'ai pas encore reçu. On a trop trop hâte en fait que à chaque fois qu'on s'envoie un truc, en fait, on a trop trop hâte de le recevoir. Et tout. Et puis donc du coup, elle m'a donné des trucs dedans où elle m'a dit, bah écoute, je te challenge, je te donne un challenge de faire un truc avec ça. Donc, je prendrai ce qu'il y a dedans et je ferai un challenge avec ça. Et ça va être cool. Parce que j'ai un truc que je me servais pas de base et je vais m'en servir du coup pour faire des petits trucs. Et après je m'amuserai peut-être sûrement parce que j'ai qu'un seul pot de peinture. Je m'amuserai à comment dire à peindre en fait ce que je vais faire avec. Les trucs qu'elle m'a mis dans oui, le machin, le truc, le machin chose, chouette. Voilà. Là-dedans, je crois que j'ai mis. Ah, bah là-dedans, j'ai ma trousse en fait de maquillage, entre guillemets. Pas quotidienne, mais quand je me fais belle. Hein, Lolo? Bah oui, c'est une tête de femme. Bah, t'es pas gâté pour la vie, mais bon, t'as un œil de travers. C'est ce qui fait mon charme. Ça, c'était un truc que j'avais au fin fond de mon placard, en fait. Enfin, fin fond de mon armoire quand j'étais chez ma grand-mère, et en fait, je l'ai gardé. Parce que, en fait, je lui ai demandé, elle me dit, ah, oh, mais tu peux le prendre. J'ai dit, oh, ok, d'accord, faut pas me le dire deux fois, mamie. Hein. Donc du coup j'y garde. J'ai un petit miroir aussi. Mais j'en avais pas deux. Si si j'en avais deux. J'en avais un autre qui vient de. Vous voyez, c'est un petit miroir, c'est ma cousine qui me l'avait offert. Tu l'as. J'ai un miroir qui me vient du fin fond de Barcelone, je crois. Qu'elle m'avait ramené de Barcelone. Celui-là, je ne sais plus où est-ce qu'elle m'avait mis. Un petit miroir pour faire belle. Là, j'ai un savon qui vient de Menton, mais ça va être hyper longtemps que je l'ai. Ouais, ça se garde un an. Oh, waouh! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Une espèce de poussière ou je ne sais quoi. Là. Donc, ça, c'est pareil, c'est ma trousse que j'ai eue à Noël. Ça, on va y mettre dans le soin, dans le swing. Ça, pareil. On va le mettre dans le make-up parce que c'est des lingettes démaquillantes. Ça, ouais, ça, je vais mettre là pour me servir quand je vais avoir mal au crâne. Ça, c'est une boîte. Dedans, il y a un truc. Je pense que les filles, vous savez ce que c'est. Les garçons, bah, si vous avez une copine, moi aussi, bah oui. Ça, c'est un miroir que ma tante m'avait ouvert. Mais ce miroir-là, je sais pas où le mettre. Je crois que je vais le mettre en expo. Là, voilà. Là, j'ai une
Celle-là, c'était à la base, je crois, c'était ma tante qui me l'avait offert, celle-là. C'était ma tante qui me l'avait offert, celle-là. Je crois, il me semble. En fait, niveau maquillage, c'est ce qu'il faut. Là, c'est mes vernis. C'est pareil, hein, c'est une boîte. Je crois que les vernis, en fait, je vais pas les remettre là-dedans parce que je vais les remettre, mais je vais les mettre, mais j'ai le vernis dégoûtant qui n'a pas marché. J'ai du vernis normal et tout ça. J'ai du vernis violet qu'on m'avait offert il y a longtemps et que du coup, ben, j'ai gardé parce que moi, je me débarrasse pas de ce qu'on m'offre. J'ai horreur de ça. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Je me débarrasse pas des trucs qu'on m'a offert. Je suis assez sentimentale, mais il y a des fois, je me dis, ouais, c'est bon, garde pas ça parce que ça va te prendre 10 milliards de places. Ça, c'est du soin, mais c'est du soin quotidien, on va dire. Là, je vais un savon. J'ai des savons, mais j'ai pas de baignoire. On fait comment? Là, t'as qu'à me faire en construire une. Non. On va mettre là-dedans. Ça, c'est un savon, mais c'est un savon normalement qui s'utilise. Mais moi, je l'avais pendu parce que c'était pour ça son bon. Mais je crois que je vais le remettre. Mais je sais pas encore où. Voilà. Là, c'est Jolly Boy boîte. Alors là, par contre, ces boîtes-là, elles datent d'il y a 10 000 ans. Non, c'était à ma maman. Et j'ai tiré à ma maman cette boîte, mais je préfère mettre autre chose en fait dedans. Voilà. Alors, la boîte interdite, on la met dans le maquillage. Ça, c'est le soin. Ça, c'est une ancienne. Elle est sympa, j'aime bien. Oh, elle est jolie. C'était un nana, moi aussi. Dis donc, t'as récupéré beaucoup de choses? Oui, j'ai récupéré beaucoup de choses. J'ai récupéré des limes à ongles. Personne n'en a besoin. C'est pareil, c'est ma maman. Garde! Oui, t'inquiète, je garde. Bon, là, on va mettre la notice, ce qu'on n'utilise pas. Ça, c'est la boîte à bijoux, mais je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Ça, c'est mon spray pour les oreilles. Vrai ce que j'ai envie de faire, moi, tiens, jeter la boîte. Je vais mettre le spray. J'en fous, en fait. Voilà. Tac. Ça va être poubelle. Ça, c'est les. Vous savez, c'est les cache-brosses à dents. Mais moi, personnellement, après, j'ai du mal. Je sais pas ce que je vais en faire. Vous êtes calé, pardon, vous êtes calé contre la poubelle de salle de bain. Alors, ça c'est mon sèche-cheveux. J'aimerais peut-être plutôt le mettre en haut. Oh, ça m'énerve, il n'y a plus de place. Bah oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire aussi, hein, t'as tellement de trucs. Ouais, je sais. Ça, c'est mon peigne à poux. J'ai pas de poux, hein, mais bon, ça, des fois je vérifie, on sait jamais, mais non, c'est bon. En fait, c'est mon psoriasis. Ça, c'est du. Qu'est-ce qui se passe encore? Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Ouais, j'ai une grosse boîte! Oui, bah, la grosse boîte, elle va aller. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui gêne? Ça? Voilà, c'était ça qui gênait. Ça, c'est pour les oreilles. On s'en fout. Ah, ça, c'est un thermomètre. Ouais, il faut que je change la pile. Je sais pas. Ah, mais c'est pareil, j'ai tout ça, mais tout
Ça, c'est des trucs pour le bain, mais j'ai pas de bain. J'ai pas de bain, les gars, j'ai pas de bain. Voulez-vous qu'on Non, mais dit comme ça, c'est glauque, hein, mais c'est vrai, j'ai encore mes dents. Parce que. Bah, je préfère montrer mes dents plutôt que dire des gros mots. Vous voyez? C'est beaucoup plus sympa, non? Vous trouvez pas? Oui, c'est des dents qu'on a dû m'arracher parce que j'en avais 4 autres qui poussaient. Et comme il n'y avait pas la place, parce que j'ai une petite mâchoire, j'ai une petite bouche, je vous dis, je suis mal faite. Et bah, du coup, il a fallu en arracher 2 en haut et 2 en bas. Pour vous dire, laquelle c'est les. C'est pas les canines, c'est les incisives. Donc, c'est celle entre. Ma tante va me tuer parce que je connais pas la truc des dents, mais je crois que c'est entre la canine et la prémolaire, un truc comme ça, ou je ne sais pas. Oui, parce que j'ai une tante aussi qui a été assistante dentaire, donc voilà. Pour nous, le soin des dents était très important. Mais vas-y, mais. Oh, Saturne! J'ai failli lui faire mal! Tu m'énerves. Bon, alors là, c'est la réserve. Voilà, la réserve. Oui, j'ai la réserve. Là-dedans, il y a quoi déjà? Je crois que c'est mes éponges. La fille, elle a des éponges pour mettre du fond de teint et tout, mais elle les utilise pas. Ah non, c'est du soin. Moi aussi. Ah, il y a des caches machin et tout. Je sais pas comment. Je sais pas comment faire. Ça dépend, oui. Ouais, on va changer de disposition. On va enlever tout ça là-dedans, là, parce que ça m'énerve. Et puis voilà. Oh, j'ai des colliers! Ah oui, j'ai celui-là, j'ai ma croix. Ma croix que j'avais achetée il y a longtemps, c'était pendant le confinement. Je suis venue complètement cinglée, du coup, je me suis acheté une croix. Non, mais elle est jolie en vrai, elle est sympa. T'as acheté une petite croix. Ça fait très longtemps que je ne suis plus croyante, mais je l'ai prise pour le principe de dire. Comment ça veut dire quoi ça? Alors, donc là j'ai la patte de chat. La patte de chat que vous connaissez aussi. J'avais acheté d'ailleurs sur. C'est à l'époque. À l'époque. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. C'était pas AliExpress, c'était autre. J'ai acheté plein de trucs là-dessus. J'ai acheté le truc pour les dents, j'ai acheté les dents. Le truc pour les brosses à dents. Et là, j'ai mon collier de. Attendez. J'avais mis ça aussi. J'ai le collier avec la lettre, une lettre. Une lettre en particulier. C'était la première lettre du prénom de ma maman et de ma tante. C'est pour ça que je l'avais choisi. Voilà la lettre E. Je sais pas si on verra bien. C'est la lettre C. Alors. Bon, je sais que j'en ai un qui va me dire. Je le vois arriver, hein. Hein? Hein, mon petit escargot? Je te vois arriver, hein? Je te vois venir, hein. Ah, si vraiment tu le voudras, je te le donnerai celui-là. Parce que je sais que tu fais partie des méchants. Salazar Serpentard. Donc il y a un côté très joli et un côté. Voilà. Donc peut-être. Je serais sympa et il y en a d'autres, je vais pas m'en séparer parce que c'est un cadeau. Il y en a d'autres, je peux m'en séparer, notamment celui-là. Je peux m'en séparer donc écoute, j'ai encore ton adresse hein, donc je sais où il va aller celui-là. Il va faire un petit tour en voiture, enfin en voiture, en camion, en je ne sais quoi. Ça, c'est des chouchous élastiques là, vous savez, j'aime bien cela. Mais je ne sais plus où les mettre. Je sais même plus où est-ce que j'avais mis. Ah, les pantalons qui se barrent.
Ça, c'est de la réserve, ça, c'est de la réserve, ça, c'est mes anciens bracelets, colliers, tout ça que j'avais là-dedans. Musique dans la tête. Alors, ça, c'est le swing. Le soin, ça va là-dedans. Les colliers, faut... bon, je peux les mettre ouais, dans ma boîte. La boîte personnelle. Comme ça, moi, c'est des colliers que. Enfin, des colliers. Tiens, puis tu sais quoi? T'auras une fève de Drago Malfoy aussi. Voilà. Alors, ma petite croix. Ma jolie petite croix. Oh. Il y a des espèces de, on dirait des diamants, mais c'est pas des diamants, c'est des perles. Et puis ça c'est mon frère qui m'a offert celui-là. Il est trop beau. Mon frère, il m'offre toujours des trucs de dingue. Moi c'est mes cadeaux, c'est jamais en fait. Ah si, une fois j'avais offert à mes frères un truc c'était Scorpio. Genre faire ça à Noël, ils étaient contents. Plaisir. Je verrai ce que je prévois le mois prochain pour mon frère, puisque il va avoir 39 ans. Donc... Bon, après les 40, je pense qu'il va faire un truc, mais là c'est l'année 39. Mais je vois pas ce que je pourrais lui faire en part un DP. Faut que je vois avec lui, faut que je lui demande. Ouais, parce que la petite trousse là que j'ai. La petite trousse là. Je vais la garder parce qu'elle est trop belle. C'est là, j'ai eu à Noël. C'est lui. Il y a plein de trucs que c'est lui. Que c'est My Brother. J'ai quoi là-dedans? What? J'ai quoi là-dedans? Ah oui, j'ai des perles. Pour faire des bracelets. Je vais les mettre là. Voilà. Ça va aller dans le swing. Ça. Donc ça c'est mon coffre à collier. J'ai plein de trucs mais j'ai pas envie de ranger maintenant en fait. Je vous avouerai que j'ai pas envie de ranger maintenant. C'est pareil, puis ça c'est pareil, c'est du soin, c'est les trousses sont remplies. Mais bon, je ferai le ménage de ça plus tard. Mais bon, ça rend bien quand même. Déjà, c'est beaucoup plus rangé, c'est beaucoup plus propre. Les amis. Voilà, donc, bah écoutez, ça fait déjà 30 minutes. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, ce petit rangement. Vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien qui traîne. C'est cool. Je suis contente. Donc, regardez ou à écouter seulement cette vidéo, hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vais vous laisser. Je vais prendre mon petit déj, je vais prendre mon café et tout ça. Je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Et il faut que je mette de la crème dans mon nez. Et je vous dis à bientôt. Voilà, bye bye.